Je pense que ça fait déjà longtemps qu'on aurait dû faire évoluer l'agriculture vers un autre modèle. On a demandé à, après-guerre, hein, dans les années 50-60, pour être glorieuse, que le monde agricole assure l'autosuffisance alimentaire de la France et de l'Europe. Donc dès la fin des années 60, les agriculteurs français y ont arrivé. Il faut savoir que les premières crises de surproduction sont arrivées dans les années 69-70. Les premières manifs des paysans bretons en Bretagne liées aux crises du poulet sont arrivées fin des années 69, début des années 70. Et donc dès le milieu des années 70, on est arrivé dans toutes les productions françaises, hein, volailles, lait, viande, on est arrivé à la quasi-autosuffisance alimentaire. Et donc, mais pour la sacro-sainte balance commerciale extérieure, il fallait continuer à produire. Il y a juste dans le lait, où, avec la mise en place des quotas laitiers en 84, où on a arrêté. C'est certainement dès cette époque-là où il a fallu qu'on change le modèle agricole et qu'on redevienne, et qu'on évite d'aller vers où on a été l'intensif à fond et ne plus, dire, on, dans les années 80-90, où on est arrivé sur des modèles où on respectait même plus l'homme quoi, aujourd'hui, où on, tout ce qu'on demandait c'est de produire. Quand je me suis installé il y a 20 ans, j'allais aux assemblées générales de la coopérative. Et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est voilà, augmenter la valeur ajoutée. À un moment, je leur dis, oui, c'est bien de faire de la valeur ajoutée, mais derrière, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, agriculteurs, pour vivre? Vous pouvez faire de la valeur ajoutée, sinon notre revenu, il va augmenter. Qu'est-ce que vous avez de valeur ajoutée, là? C'est de produire plus, enfin, grosso modo, c'est de produire plus. Et c'est pas parce qu'on produit plus que derrière, on va augmenter le revenu qui reste dans notre poche. Par rapport à ça, il y a des chiffres tout simples. Mon père aussi s'est installé dans les années 80. Le prix du lait, de la viande, des céréales, était le même qu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a fait tous? On a triplé le volume. Et on a divisé par 3 le nombre. Bon, après il y a eu tout aussi l'aberration autour des soja qui ont été importés des États-Unis. Enfin, c'est la tente de la PAC. Hein. Ouais, enfin bon voilà. Mais sauf qu'on a arrêté de produire des protéines en France, on a spécialisé les régions, enfin la Beauce, où on a fait des monocultures de céréales, etc. Et c'est maintenant qu'on voit que voilà, la Beauce perd de la matière organique, qu'ils seront dans 20 ans si ça continue de faire incapable de produire de la céréale, que les rendements ils stagnent, ils chutent. Et qu'il y a des algues en Bretagne. Oui, voilà, qu'il y a des algues en Bretagne. Donc on a voulu spécialiser les systèmes de production, les régions, on a faire du porc en Bretagne, faire du canard de gavage en Vendée, faire du lait dans l'est de la France sur des grosses exploitations, le bassin parisien en céréales. Et tout ça, on en voit, ça fait longtemps qu'on en voit les limites, où dès qu'il y a une crise, voilà, c'est souvent même les plus gros producteurs qui des fois souffrent. Alors, quand il y a des marges intéressantes, c'est là où ils vont gagner le plus. C'est pour ça que ça change. Mais voilà. La question de Verrier, c'est quoi alors? Revenir à des systèmes d'exploitation, un peu plus de polyculture, essayer de remettre un peu d'élevage aussi dans les régions céréalières. Changer la gouvernance de l'agriculture. Oui, ça c'est... C'est quoi ça s'appelait changer la gouvernance de l'agriculture? Là, que ce soit pas le même syndicat qui est toutes les... qui fait aussi pour être franc, c'est ça, c'est... voilà. Si c'est eux qui tiennent l'agriculture depuis 50 ans et qui vont dans le mur, on continue à aller dans le mur et c'est que à cause... enfin, que à cause... Donc si je comprends bien, tout ce n'est pas syndiqué, vous faites à votre... C'est en... Si, mais pas au même. Comment? Pas au même ou pas avec ces idées de la FNSEA. D'accord. Pour arrêter la co-gestion. La co-gestion. Oui. Faut l'arrêter, c'est vrai. Ce sera plus simple. Il y a le TAFTA quand même en tant que politique. Un accord de libre-échange qui est pour les agriculteurs, une vraie menace. Quoi. Pas pour tous les produits. Ouais. Comment? Mais lesquels? Il y a plus de risques pour les bovins, je crois, pour... Oui, alors le souci, c'est que comme les Américains, ils aiment bien l'hamburger, tous les mauvais morceaux, ils vont les transformer chez eux en hamburger, et tous les bons morceaux... On a toujours eu le problème des avant et des arrières, quand voilà. C'est chez nous. Quand oui, aussi chez nous, mais bon. Voilà. Mais eux, ils vont nous envoyer à pas cher tous les arrières, tous les meilleurs morceaux, et ça pourrait faire du mal à la viande bovine française. Mais s'ils étaient produits sous les mêmes conditions, sauf que c'est pas du tout pareil. On n'a pas du tout les mêmes normes. Par exemple, les additifs alimentaires, les hormones. Voilà, ça nous on n'a pas le droit en Europe, eux on sait pas. Non, puis après, si on parle de scandale chez nous, il y a qu'à avoir un élevage bovin aux États-Unis, voilà, c'est tout. Quand il y a 3 000 ou 10 000 pièces d'animaux. Puis qu'ils sont à la grue avec des smiers morts et puis en train de les nourrir. Enfin, ça dépend ce qu'on veut manger. Mais... Là, on n'est pas trop sur le TAFTA, les discussions sur le secteur. Hein. Oui. Oui. Enfin, ils sont liés. Parce que...
La frontière canadienne est... Oui, mais il y en a un qui est déjà qui va rentrer là prochainement en vigueur, donc on en discute beaucoup. L'autre, il n'est pas encore. Alors, c'est les mêmes conditions. Et puis, il y a aussi l'alignement des normes, quoi. Enfin, au-delà de l'ouverture du marché européen à des produits comme la viande, il y a aussi l'alignement des normes sur les... Et vous pensez qu'il est vraiment fait correctement, l'alignement des normes, déjà en Europe ? Non, justement, je ne sais pas s'il faut... Parce que là, vous avez tous des productions absolument... Bon, vous n'aimez pas le terme niche, ça peut s'étendre, j'en suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui produisent à l'heure actuelle pour 80% de la consommation et qui ne vivent pas ? Non, ils produisent, le problème, c'est qu'ils produisent pour 130% déjà. Ah, mais ça, c'est pas faux ce que vous êtes en train de dire là. Et qu'on en perd la moitié. Le slogan, c'est de dire, non, bio, on pourra pas nourrir. Mais si, on peut nourrir, parce que ça produit différemment. Faire des légumes, plus de légumes. Au lieu de faire des monocultures de céréales qu'on envoie aux États-Unis pour faire de la viande, ou chez nous pour faire de la viande. C'est pas... Pour nourrir les gens, on peut largement nourrir les gens avec la surface française, largement. Même. La seule différence avec la bio, c'est qu'on nourrit beaucoup moins derrière l'agroalimentaire et toutes les grosses infrastructures qui sont en place. C'est là où ils veulent pas. Voilà. Le problème, c'est eux qui vont y perdre. Mais est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est aux politiques ou à de résoudre le problème? Quand on continue à faire 100 hectares de monoculture de maïs dans le sud Vendée avec des subventions pour les bassines et pour faire 350 euros de marge à l'hectare, il faut se poser des questions, quoi. Il y a d'autres cultures possibles, il y a des cultures qui consomment moins d'eau, il y a des cultures qu'on peut consommer directement, il y a du quinoa, il y a des cultures c'est une alimentation humaine qui peuvent créer de la valeur ajoutée. C'est pour ça que il y a des possibilités. Quand on parle de subventions, on va subventionner pour faire des bassines. Pour arroser du maïs qui fait zéro valeur ajoutée, qui va fait pas de exporté. Bah, c'est une réserve de substitution. Après, c'est orienter les subventions vers ce qu'on veut. Mais ou utopiquement, plus de subventions du tout et puis que les produits soient payés à leur vraie valeur. C'est préconisé par beaucoup de gens, mais même curieusement par beaucoup d'agriculteurs. Mais vous, tous ces gens-là qui, à l'heure actuelle, ils sont... Ces gens-là, on leur a inculqué que ce modèle-là et ils ne se posent pas la question d'autre chose. Moi, c'est la crise, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est la crise de la vache folle qui m'a dit « voilà, je ne pourrais pas continuer à produire pendant 40 ans comme ça, il faut que je change mon modèle ». Chacun a fait son expérience à un moment, on a dit voilà. Et donc, nous, on s'est posé des questions, on a fait évoluer notre système d'exploitation en bio ou en durable, mais voilà, on a fait évoluer notre système d'exploitation. On s'est posé des questions sur comment on souhaite produire du bien alimentaire pour nos concitoyens. Oui, mais comme vous dites, il y en a qui sont ancrés dans un système, mais il y a aussi quand même au-dessus ou en face beaucoup de gens qui achètent ça parce que c'est moins cher aussi. Moins cher pour eux, mais on nourrit qui après derrière